Et donc yo tout le monde, c'est Yanis 2050, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Donc comme vous le voyez, on se retrouve sur Clash of Clans, sur le petit Clash of Clans. Donc on est sur mon MDO, qui n'a toujours pas changé, à part que j'améliore beaucoup de trucs. Donc comme vous pouvez le voir, canon géant niveau 7, et bientôt le rôtisseur aussi qui passe. Donc comme vous pouvez le voir, je suis dans la team de Black. On va leur faire un petit coucou. Voilà, donc on va se retrouver pour faire quelques petites attaques. Et s'ils sont toujours en guerre de clan, pouvoir vous montrer 2-3 petites attaques. Donc on va tout de suite lancer une petite attaque. J'ai déjà activé mon boost d'horloge. Voilà. Donc les défenses aériennes, elles sont ici. Fournaise. Vas-y, je préfère attaquer par là parce que la fournaise, quand t'as plus de ballon, c'est beaucoup plus chiant que le... Donc là ça devrait pas mal push et dans tous les cas c'est mieux de se frotter un truc anti-aérien et que anti-aérien parce que au moins vu que c'est ma machine de combat qui doit le finir, ça ira beaucoup mieux. Donc désolé si vous m'entendez un peu comme si ma voix elle portait pas, c'est parce que je suis malade du coup, bah voilà, mais c'est des choses qui arrivent. Mais je voulais pas vous faire une vidéo comme d'habitude où je mets que de la musique et tout, je voulais vous faire vraiment une vidéo à l'oral. Je vais baisser peut-être un peu le son pour que vous m'entendiez mieux. Voilà. Donc si vous avez de la chance, peut-être que je pourrais vous montrer une attaque de garde clan. Et donc voilà. Allez, tu peux la défoncer. Je pense pas qu'il va aller très loin parce que là, le broyeur, ouais, il a réussi à le mettre un autre coup. Peut-être qu'il va réussir à taper le MDO, mais je pense pas qu'il va réussir à le... Alors comment avoir la rage en 3 secondes? Faut qu'il se gourde le chemin. Ah je vous le dis. Voilà, en plus il y avait le truc là, voilà. J'ai même pas fait une étoile, c'est mort, j'ai même pas gagné là. Si je le bats, c'est qu'il est vraiment nul. T'es pas en live? Non, je tourne une vidéo. Ouais c'est bon, de toute façon ça se voit, j'ai raté mon attaque. Voilà, est-ce qu'il y a une petite attaque? Non, il n'y a pas d'attaque pour l'instant. Je vais leur demander. Vous avez rien vu les gars. Après moi je m'en fous, tant pis pour sur le groupe. Mais voilà. Et donc maintenant on va retourner sur le MDO les gars, du coup on va continuer les attaques en les attendant. En attendant de voir s'ils veulent faire une attaque de guerre de clan. Allez, vas-y. Tac et tac. On va essayer d'en mettre 15 ici. Voilà, parfait. En plus c'est une égalité parfaite. Voilà. Espérons que ça marche bien. Un ballon qui est tombé. Il y en a 2 qui sont tombés pour l'instant. Ok. Pour l'instant, ça devrait aller. La fournaise n'avait pas concentré sur mes gargouilles. Il faudrait qu'il la défense rapidement. Ce serait pas mal ça. Allez, 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 allez. Oui. C'est parti. Oh là 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 là. C'est bon, c'est carnage là. Je pense que je fais 3 étoiles easy. On va le faire rentrer dans le village. Je pense même sans la machine de combat, il y aurait eu moyen que je le fasse. Tant que... Ouais, là, je l'aurais fait dans tous les cas. Ah non, il y avait la Tesla. Ah, il y a quand même moyen, je perds si j'avais pas la machine de combat, les gars. Hop là, hop là. Hop là. Hop là. Hop là, les gars, et voilà. Donc, voilà. Donc, dites-moi ce que vous voulez que je fasse comme vidéo la prochaine fois. En sachant bien sûr que j'ai arrêté BS les gars, maintenant c'est dit, hein, j'ai complètement arrêté. Le jeu il me plaît plus et comme vous le savez je préfère privilégier des jeux qui me plaisent
et faire des gameplays sur lesquels je sais que je vais vraiment m'amuser. Ça sert à rien de faire des gameplays forcés. C'est quoi ta chaîne? Voilà, première victoire, les gars. On continue, tac, tac, tac. Vu que cette tactique a l'air de marcher pour l'instant, celle de mettre 15 gargouilles comme ça, mais bon, je suis pas sûr qu'il marche sur ce village qui a l'air d'être pas mal amélioré quand même sur les pétards et sur l'anti-aérienne ainsi que sur le rôtissoir. Je pense que le rôtissoir il est minimum niveau 6 là, voire niveau 7 peut-être, je sais pas à quoi il ressemble au niveau 7. Et vu que là c'est pas mon ballon qui est à l'agro, il y a moyen que je rate. Peut-être que j'aurai une étoile, ouais, je pense que j'aurai une étoile, mais difficilement la deuxième. Et je pense que la troisième, je l'aurai pas. Ah, quoique, ouais, ça c'est bien. Il y a moyen de moyenner. Ok, s'ils peuvent au moins défoncer le gros canon, ce serait pas mal comme ça. Ma machine, elle, voilà, parfait. Tac, je vais le mettre là avec les petits squelettes. Allez, vas-y. Ça, les squelettes qui ont bien quand même bien rasé les remparts, ce qui va me laisser une marge pour arriver facilement. Il y aura les deux étoiles, mais difficilement les trois étoiles. Regardez toute la défense qui m'attend quand même. Allez, tape, boum. Est-ce qu'il y a moyen de faire le 3 étoiles? Il me reste quand même. Ce qui me fait le plus peur, c'est le broyeur, les gars. Je vous le dis très clairement. Le broyeur, il fait très mal. Surtout que là, il est niveau 7, les gars. Il est niveau 7, ce broyeur. Au niveau 6, il est en full or. Mais en niveau 7, il fait très, très, très mal. Il y a peut-être moyen, je fais le 70%. Et encore, même ça, j'en suis pas du tout sûr. Je crois même pas le 70%. Il va taper le broyeur, là, non? Non, mais le broyeur, il va le taper. Pas encore. Ah, si, 70%, et c'est fini. Pas mal cette attaque, mais assez compliqué. MDR, je nique les petits vivis sur les lives. Oh, mais arrêtez d'envoyer des messages. Putain, j'aurais dû penser à mettre en sourdine. Oh, il attaque bien. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé la charrette à canon. C'était en plus ma troupe préférée à l'époque. J'adorais les charrettes à canon. Je trouvais ça trop puissant. Alors là, putain, c'est bon, il a perdu, clairement. J'ai aussi fait 2 étoiles, mais qu'est-ce que tu vas réussir à farmer? On a gagné, les gars, on a gagné. Voilà. Allez, pour le plaisir, les gars, je vous fais la petite dernière. Essayons de gagner. Pour vous, les gens, on va gagner celle-là. Alors, le plus simple, ce serait d'attaquer... De faire la même chose que tout à l'heure, comme ça. Ne faites pas attention à ça, les gars. On s'est créé un groupe avec des amis pour les devoirs à l'école. Parce que, comme vous le savez, c'est le lycée, du coup, on s'est dit, vas-y, avant d'être de la merde, on va quand même. Voilà. Donc, faites pas attention, c'est juste que bizarrement, aujourd'hui, ils sont en mode, on va envoyer que des messages pour bien faire chier Yonis. Mais bon, c'est pas grave. Putain, l'attaque, elle a totalement été foirée. J'espère que je vais pouvoir me rattraper un peu avec la machine de combat, mais c'est pas sûr, les gars. What? Mais où il va? Putain, t'aurais dû attaquer la tour d'archer, trop du cul. Ça sert à rien d'attaquer ça, elle peut pas te faire de dégâts, y a plus de troupes aériennes, vas-y, je vais perdre. J'ai fait une étoile, c'est déjà bien, mais je pense qu'il en a fait deux. Trop tard. Non, c'est mort. C'est mort. Pour l'instant, une étoile, 50%. Je doute que je gagne. Ah, pour l'instant, il n'a pas fini. Pour l'instant, je vais pas gagner, là, un électro-PK. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, quoique, il y a quand même moyen là. Il y a moyen, les gars, il y a moyen. Son électro-PK, il va crever. Voilà. Non. Il a trop de troupes. Il a déjà fait 50%, il va me terminer.
Ouais, il y a 2 étoiles. C'est dommage, hein, ça aurait pu être faisable. Gare à ceux qui liront la conversation. Je suis sûr qu'il y en aura toujours un pour faire ça. Vas-y, je crois même qu'il m'a perf en même temps. Dommage. Bon bah les gars, on va se laisser sur cette petite défaite. Hein. On va se laisser sur cette petite défaite. On va juste donner un dragon à l'autre mec. Là, je vais lui donner directement avec des gemmes. Il a même pas fait de demande. Mais t'as pas fait de demande. Trop de balles. Et voilà. Donc voilà les gars, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, ça me fera extrêmement plaisir. Sur ce les gars, nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était NZ1050, ciao. Yeah.